Et yo les potes, c'est Talcado. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Alors c'est une vidéo qui change des anciennes vidéos. Maintenant c'est des vidéos review que je fais. Vous allez me dire si vous voulez que je continue à en faire. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le Vélocité Spider-Man. C'est bah voilà, Spider-Man. C'est le jeu sur PS4, du coup c'est une figurine game verse. Elle est là, la figurine, elle est dedans. Alors, sur le côté, eh ben, on voit la photo du Vélocité Spider-Man sur le jeu Spider-Man PS4. J'avoue, je ne l'utilise pas souvent. Moi, je préfère le 2099. Sur le derrière, ça se présente comme ça, avec, avec tous les personnages du jeu. Alors, enfin, tous les personnages de la collection de la toute nouvelle série. Alors... là, il y a le Vélocité Spider-Man. Voilà, on voit comme ça, Vélocité Spider-Man suite. Après, là, vous pouvez voir qu'il y a tous les personnages. Regardez, je vous fais un petit visuel sur le côté. Voilà. Voilà, je vous fais un visuel sur le devant. Mince, voilà, je vous fais un petit visuel sur l'avant. Alors le dessus, bah il se présente blanc avec des toiles, regardez, hop. Le dessous, les warnings, tout, Marvel. Buildable figure, on peut les démonter. C'est la figurine à assembler, c'est le démon gobelin qui est... juste là. Alors après ça se présente Marvel, Hasbro. Alors pour les personnages ici, alors le Vélocité Spider-Man, je l'ai. Alors Spider-Man Armure marque 3, je l'ai, c'est pour une prochaine review. Le Spider Octopus, je ne l'ai pas. Le Marvel Vautour, je ne l'ai pas. La Marvel White Rabbit, je ne l'ai pas. Et Shang-Chi, je ne l'ai pas. Alors ça se présente comme ça. On passe tout de suite au contenu. Alors, pour le contenu. Alors la boîte s'ouvre par le dessous, comme ça. Hop. Et on sort. Bah, j'avais déjà ouvert pour pas que je vous fasse... une vidéo de merde, voilà quoi. Alors l'intérieur se présente comme ça, avec le symbole du jeu Spider-Man PS4. Regardez, ouais, vous pouvez y jouer sur PC. C'est très joli l'intérieur. Hop, sur un étage la figurine. Alors, on passe aux accessoires. Alors vous avez une petite toile à accrocher ici, ben, pas sur vos doigts, sur une figurine. Après, vous avez une jambe pour le démon gobelin. Hop. Ici, là, je vous fais un petit visuel sur le côté. Hop, voilà. Si vous voulez continuer à voir les vidéos review, dites-le moi en commentaire. Alors, après, la figurine, oh, trop belle. Alors, elle se présente comme ça. On va la retirer. Hop, hop. Alors, voilà la figurine du Vélocité Spider-Man. Elle est très belle. Il y a les mains, elles se présentent comme ça. Démontable, bien sûr. Là, c'est le dos. Petit visuel sur le côté de l'araignée. Devant. Après, sur le sous le dessous, bah, il n'y a rien. Il y a juste Made in China et Marvel. Sur le dessus, bah, on voit la tête avec des petites rayures. Oh, franchement, elle est belle. Hein. Voilà. Alors, beaucoup de points d'articulation. On peut la bouger comme ça. On peut le plier comme ça. On peut plier les mains. On peut bouger le torse et faire ça. Hop, voilà. Alors, la toile, elle servait à faire ça. Si, par exemple, vous voulez jouer avec, hop, la toile se met là pour faire croire
que vous avez tiré une toile au-dessus. Vous pouvez mettre plusieurs positions. Alors, vous allez chercher un socle sur une figurine Sangoku que je ferai peut-être une review. Je reviens. Alors, les habits. Oh. Hein, ce socle. Alors, ça, c'est le socle d'une figurine Sangoku à assembler. Bon, je vais vous montrer un visuel de la figurine Sangoku. Hop, elle est comme ça. Il y a des accessoires. Elle était assemblée. Regardez, hop. Elle était vraiment assemblée pour vous le prouver. Regardez, hop. Ici, hop. On voit que c'est démontable. Hop. Elle était totalement assemblée. Regardez les cheveux. Hop. Bon, je vous ferai une review dessus. Ok, alors, le socle. Socle basique, hein. Il peut bouger, il peut se mettre en l'air. Alors, si vous avez la figurine Son Goku comme ça, bah, vous pouvez prendre le socle pour l'exposer. Elle va bien. Il va bien avec, désolé. Hop, regardez. Ah. Un truc qui va entre les cuisses, hop, voilà, et regardez, hop, bon, joli modèle d'exposition. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. Par exemple, moi je la mets, hop, je vais monter ça un peu, je vais remettre ça, ça tombe souvent sur ce socle, et hop. Et voilà, regardez comment je l'ai mise. Par exemple, vous pouvez la mettre comme ça. Alors, voilà les amis. Si vous voulez que je continue d'autres vidéos, d'autres vidéos review, genre des genres comme je viens de vous faire là, ça s'appelle des reviews. Et aussi, si vous voulez que je vous fasse des rétro reviews, c'est des vidéos sur d'anciennes gammes de jouets. Alors, vous me le direz tout en commentaire, s'il vous plaît, continuez à vous abonner à la chaîne. On essaye tous d'atteindre les 100 abonnés, au moins. Et sur ce, eh ben, je vais reposer mon socle et vous allez me dire sur quoi vous voulez que je fasse la prochaine vidéo. Alors, ok les amis, bah, je vais vous faire dedans une deuxième review, vu que c'est ma première vidéo review. Alors, je vous fais le cadeau d'une deuxième vidéo dans ça. Voilà. Alors, c'est la magnifique Pop Night Monkey Spider-Man de Spider-Man Far From Home. Et oui, comme vous le savez, je suis très fan de Spider-Man. Alors, c'est la 469 Pop Spider-Man Far From Home Night Monkey Stealth Suite. Alors, dessus, vous pouvez apercevoir Pop Marvel, Funko qui est juste là. Un bout de la tête de la Pop. Derrière, vous avez la collection des Spider-Man Far From Home. Dessous, vous avez les warnings. Vous avez, ça se présente comme ça, le petit code barre. Funko, pas pour les bébés de moins de 3 ans. C'est recyclable la boîte, mais je la garde. Alors, voilà, petit visuel sur le côté de la figurine. Sur l'autre côté, ça se présente comme ça. Pop, Marvel, Spider-Man Stealth Suite. Alors, ça s'ouvre par en haut comme ça. Vous tirez la figurine et hop. Alors, bah, elle se présente comme ça. Vous pouvez lui tourner la tête comme ça et ça bouge. Voilà, c'était la petite review sur la Pop. Alors, si vous voyez bien, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Elle brille, ses verres brillent. C'est celle que j'ai vraiment achetée. Elle vaut vraiment les 24 euros. Elle vaut vraiment 24 euros. Et elle, avec la deuxième de Spider-Man, enfin, pas avec elle, hein, pas avec elle,
avec voilà, je vous montre juste ça, ça sera pour un autre. Vous inquiétez pas, je m'en pars. Regardez, hop, c'est pas la même. Regardez, je vous montre la boîte ici et hop, je vous avais pas menti, j'en ai deux. Alors voilà. Alors, on va ranger et je vais faire un nouveau décor plus tard. Alors, je range tout. Hop, hop. Hop, ça, ça va là-bas. Et on range la pop. Alors, je voulais vous faire un petit cadeau. Si vous me faites de la pub, je vous fais gagner 7 pop. Et oui, 7 pop ou... cette figurine que je viens de vous montrer. Non, pas ça, je déconne. C'est beaucoup trop petit. Si vous me faites de la pub, je vous fais gagner ça. Voyez ? Voilà. Si demain je vois qu'on est à plus de 30 abonnés, je vous fais le cadeau de ça. Hop, rangé. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue les... Voilà quoi, comme je viens de vous dire, les reviews de l'année. On arrive tous aux 34 années, comme ça je vous fais gagner ça. 9. Enfin, je l'ai ouvert, mais pratiquement 9. Hein. C'est quelqu'un qui m'a fait passer. Bon, bah voilà les amis. C'était juste pour vous dire que aussi j'étais de retour sur les vidéos. Voilà. Bah, ciao les amis.